Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Numérica TV et c'est l'heure de Riposte. L'actualité politique est abondante, mais nous avons sélectionné pour vous quelques sujets envie d'en débattre sur ces plateaux. La prestation de serment des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle pose problème et ça devient un sujet à controverse entre le président de la République et les deux chambres du Parlement. On va en parler avec des juristes sur ce plateau pour nous donner le vrai contenu de cette affaire. Nous allons également continuer à épiloguer sur l'affaire Minembwe qui continue justement à faire débat et nous allons justement rester sur cette lancée pour parler de son évolution. Si le temps ne nous fait pas défaut, nous allons revenir sur la rentrée judiciaire intervenue il y a quelques jours au niveau de la Cour de cassation. Et nous allons évidemment tenter de parler du mercurial qui a été prononcé par le président de cette haute juridiction. Alors, concernant les invités, nous avons pour la première fois sur ce plateau Maître Eric Bamanaï. Il est proche de l'IDPS, mais il n'est pas de l'IDPS, il va nous le confirmer tout à l'heure. Et à côté de Maître Eric Bamanaï, nous avons Isaac Bakoukou, qui n'est plus à présenter, il est de l'AMUKA. Et juste... Ensemble. Bon, c'est un parti qui fait partie de la plateforme l'AMUKA. Nous avons également un autre vieux routier déjà de ces plateaux, il s'agit de Moussambao Papi, il est du PPRD, donc la plateforme politique FCC. Bien, nous allons commencer avec Maître Bamanaï, Eric, qui va nous donner la première lecture par rapport au premier sujet. Maître Eric, je voulais d'abord que vous puissiez préciser votre identité. Ah, on a quatre plateaux, il y a Riposte, et Toloba Minormi Balé, Ndeo Yebi, Ndeko Eric, Yebi Sabiso. Tolobi proche, il y a IDPS et Ngolo Banine. Ozana Kati, Ozana Banda, Ozana sympathisant, Ozana ni exactement. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Claude Kozikesa. Kozikesa, qui est pour moi aussi un grand frère. Tokolo Belango, le bosso ya plateau te. Maître Eric Bamanaï, na profession, Nazali Bongo avocat. Nazali Moko avocat ya Baro ya Kinshasa Gombe. Mais j'aimerais souligner une chose que na plateau o e pa itozwa mi awa na ye na qualité na nga ya ki avocate. Je peux peut-être me limiter na kibomoto na nga ya juriste. Alors to me kakolanda makamu na lolenga esengeli. En ce qui concerne komemama na nga ya na kati na débat ya poko ya lelo, quelle est la position que je vais prendre? Je vais prendre une position Oyo et Zalaka Katinanga, et laquelle de position est Zalaka que je soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Donc, je ne suis pas de l'IDPS, mais je soutiens toutes les initiatives et la politique du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est ce qui fait, le jour vous, on a c'est ce qui fait de vous naturellement un proche de l'IDPS. Et effectivement, le jour où on a ko kamata bongo mokano ya ko ma membre à l'IDPS, okomona ngana carte na ngana tandi yango na bo bonene na bango na bo sanda na yango na bo laina yango liboso na yo pona société na komi bongo membre effectif ya IDPS. Très bien. Merci. Voilà. C'est bien dit. Alors, vous avez toujours la parole. Nous allons commencer les débats. Maître Eric Bamanaï, pourquoi la prestation du serment de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle pose problème? D'où vient la controverse? La controverse ici, Ezali ko uta mingi na mauvaise lecture ou bien lecture sélective de nos alliés qui sont du FCC, Front commun, tout ce que vous connaissez, tout ça. Ces gens veulent que nyonso etambola nanzela na bango pe na intérêt na bango. Quand vous lisez la Constitution, vous prenez l'article 169. Vous prenez l'article 69 d'abord sur ce qui est que la personne du président de la République. Si vous voulez, je peux vous en donner lecture. Président de la République Azali, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il veille sur le fonctionnement de toutes les institutions de la République. Aujourd'hui,
C'est vraiment aberrant de voir les déclarations qui vont dans tous les sens. Oyobande Konabiso, il y a PPRD en particulier et FCC en général, Bazali Kobimisa tout le temps sur la personne du président de la République. Si le président de la République a violé ne fût-ce qu'une constitution, une disposition de la Constitution, mais va brandir biso laquelle? Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un régime qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Le président de la République n'est pas responsable de ses actes qu'il pose devant le Parlement. Quand Jeanine Mabunda, qui s'est dit juriste, oui, on lui le concède, et Tambwe Mwamba, qui s'est dit aussi avocat, se permettent d'aller attaquer les actes que le président de la République pose. C'est sur base de quel texte? Puisqu'il n'y a pas longtemps, dans leur communiqué qu'ils ont produit dernièrement, ils nous ont dit qu'ils sont respectueux des textes. Alors, sur base de quelles dispositions, de quelles lois, ils sont entrés aujourd'hui de s'en prendre, puisque là, ils parlent en tant qu'institution, en tant que Parlement. Or, nous avons chez nous ici le Parlement qui est bicaméral. Nous avons le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale. Donc, les deux là, ce sont les animateurs. Il y a institution Tobengi Parlement. L'un anime le Sénat, l'autre l'Assemblée nationale. Sur base de quel texte Bangouba Kokende aujourd'hui, puisque le président de la République, même quand il se présente devant l'Assemblée nationale, a se présenté à capon un discours État-Nation. Ce cas, ça n'appelle même pas les débats. Alors, je me pose la question, aujourd'hui, quelle est la disposition légale sur laquelle se basent ou se fondent les déclarations que font les deux animateurs, il y a ces deux institutions? Alors, question, si le président n'est pas comptable, redevable devant le Parlement, alors, concernant la prestation et la jijouana, pourquoi il fallait que cela, on a président et la chambre? Je vais vous lire l'article 10 de la loi organique, la loi numéro 13/06/15 octobre 2013. Cette loi dit ceci dans son article 10. Avant d'entrer en fonction, le membre de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation devant le président de la République, virgule, l'Assemblée nationale, virgule, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Il prête serment, là, à l'inéa on en a sauté. Mais in fine, écoutez ce qu'article dit in fine. Le président de la République leur en donne acte. Est-ce qu'on a besoin de l'Assemblée nationale pour appeler ça bon acte? S'il le refuse, ça ne bloque rien. Et le président de la République, en organisant cette prestation de serment, il ne violera aucune disposition de la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais quand le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale disent au président, nous n'allons nous en tenir que à la loi, ils font allusion à quoi? Qu'ils explicitent, qu'ils nous expliquent de quelles lois font-ils allusion. Puisqu'il y a des lois qui sont taillées sur mesure, il y a des lois qui sont liées. Et il y a des lois dont la lecture est faite d'une manière sélective. On prend donc, comme on dit à Lingala, qui zoba zoba. Vous comprenez? Vous avez un panier. Au lieu que du début à la fin, que ce soit le même dessin. Non, on mélange les dessins. Et ça, c'est la spécialité du PPRD et de l'FCC. Nous les connaissons. Le même qui décrit aujourd'hui la violation de la Constitution. Mais c'est le même qui ont violé la Constitution. Je vous dis qu'ils ont désossé la même Constitution hier pendant leur discours. Merci, Topé Sendeko, Papi Moussambao, Azali Moutou, PPRD, Azakati Nabiso, Ndeko Moussa, Olandi, Maître Bamanaï, parce qu'effectivement, il y a problème. Effectivement, il y a controverse autour, il y a prestation, il y a député, il y a juge. Au magistrat, au Cour constitutionnelle, c'est pas une impression, mais nous nous rendons compte que Bino, na FCC, à travers surtout les deux animateurs, il y a Parlement, l'ingi na bango likambo, na te baye, si mon kondambo kake, ils allient illégal. Bolobi Nignos, est-ce qu'ils allient pendant le lingi wana? Merci Négoé, en tout cas. Oui, Deco, tu sais, les missions principalement, ça a été toujours le caractère pédagogique, de sorte que tout le monde a été en train de faire le fonctionnement à l'intérieur de l'université.
Mais, il y a des gens qui ont en tant qu'acteur politique, ils lutte contre les immoraux. Surtout, je ne partagerai jamais mon avis avec un immoral, soit avec les immoraux. Même si tu es du PPRD, même si tu es de l'FCC. Pourquoi est-ce que je voulais dire ça? En principe, vous allez constater avec regret que non, aujourd'hui, la plupart des scientifiques perdent le sens de vie scientifique à cause et appartenance quelconque où on devait défendre toujours les droits de nos côtés, mais on prend la science pour changer la CMS. Nalandi qu'au débatteur n'a pas la bouquet de nous. Maître Bamanaï. Oui, Maître Bamanaï. Mais fort malheureusement, c'est un juriste qui vient d'intervenir. Ndeko, à l'obé, à moi que non, il se pose un sérieux problème, il y a interprétation. Nabandeko, où il y a PPRD précisément FCC. Mais, il n'y a pas si Ali que, il y a beaucoup de balayés na ebisika Ali proche na. Ils ont beaucoup de respect au PPRD, encore moins celui qui prétend interpréter la constitution, qui est élève, étudiant débauchable, qui doit beaucoup de respect, dit que non, au PPRD, il y a des gens que je ne peux jamais me mesurer en matière de la Constitution. Mais lorsqu'on trouve que non, un sympathisant de l'IDPS ou allié, il met en doute cette crème, c'est vraiment grave. Et ce qui me fait mal, c'est quoi? Maître a évoqué l'article 10. Avant que nous parlions tout d'abord de l'article 10, Maître Aoutiko évoquait à Walobi que non, je voulais vous faire évoquer le quoi? L'article 169. Non, maître, l'article 169 n'a rien à voir avec ce que vous venez de parler. C'est l'article 169 qui renvoie à cet article 10 de la loi organique. Je pense que lorsque vous... Donc, ça, son soubassement, sa base... Je pense que... Ne faut pas vous agiter. Non, moi je ne m'agite pas. Oui, nous sommes qu'à l'introduction. Ok, merci beaucoup. Je vous avais laissé l'état, oui, je vous avais introduit. Laisse-moi développer. Je dis ceci, je me répète, par rapport à la contradiction... Oyo sali, l'incohérence, il y a Mayotengeli 5 ans à l'université, ça me choque directement. Lorsque tu dis que non, l'article, président de la République a violé, oui, a violé, je te le concède. Mais l'article 169 dit quoi? L'article 169 est précipité sur le lengue et la gestion, organisation et la cour constitutionnelle. Donc tu fais allusion de l'article 10. Mais article 10 ou anna, ndekonanga to tanga yango. Parce que, malin qu'il est, pour ne pas léser, a sauté à l'inéa, oyemo kalobi que non, j'ai sauté à l'inéa pour ne pas sauter. As-tu déjà vu où, moutozo tanga article mobimba, mais ozo sauté balinéa? Non, tout simplement, balinéa, oyo loko leza yaï depes, nako tanga yango te. Mais, maître, soyons sérieux. Il y a des approches. Là, je le parle en tant que scientifique. Il y a un problème de légitimité et aussi problème de légalité. Légalité, cela veut dire quoi? Légalité est un acte où le Konzamboka a eu le Kassanae a signé au Babengi ordonnance. Qui est un acte légal tout en état gestion et bon fonctionnement. Mais légal et légitimité est où? Quand vous lisez dans la loi organique là, sous l'article 10, on dit que Banzou Ziwana Bakoza l'a présenté devant la nation. Mais la nation c'est quoi? Par la définition. Mais aujourd'hui on ne peut pas aller chez Isaac. On fait une fois à l'Équateur, on prend les gens, on prend Tanganyika, on prend toute la République. Je ne sais pas par quel moyen on peut les transporter, les amener à Kinshasa et présenter les juges. Pour que Bango soit tout bon à Bango. Il y a une représentation. Voilà. Maintenant, qu'à ce qui concerne la loi, sur la législation, nous sommes représentés par nos députés qui représentent l'Assemblée. Lorsque je parle de l'Assemblée, où on voit la Chambre haute et la Chambre basse, que les députés de toutes les circonscriptions de la République sont représentés. Lorsque il faut présenter le juge devant la nation, la loi en question dit bien, Bako Sangi Sabango, l'Assemblée. Même dès que j'aurais souhaité
ndeko nanga juriste, qu'il me donne un article, il y a constitution qui dénomme combo ya oyo si il s'agit des actes institutionnels, il y a oyo et sali que non les actes parlementaires sous les manifestations officielles tant Sénat et Sangamani, na assemblée Sangamani, en dehors de cette appellation à congrès, a expliqué bah il m'aura pas combien d'angos bosangamawana, bosanganiwana, nini. Mais lorsque Bazali wana, toyoka ki bango balobi que non ces protocoles d'État qui vont introduire, mais j'ai dit que mais ça c'est la fourberie d'une manière odieuse de mettre vraiment dans la tête des étudiants qui font les droits des choses qui ne peuvent jamais exister. Mais quand même, le protocole d'État a un rôle à jouer dans l'organisation. Papa, nous avons vécu là pendant 18 ans, nous savons comment est-ce que ça s'organise. Et la loi donne les déterminations, les limites des protocoles d'État. Mais protocole d'État, on a organisé ma Milouluana. Chef de l'État est à Koya. Protocole d'État est à récupérer. Et puis, protocole d'État de Mouto pour introduire hier devant la juge. Et puis, protocole d'État, à Zupé Banzouziwana, on va représenter Bango devant la nation, à présenter Bango de la, devant la nation. Et puis, protocole d'État, wana, à Zupé Banzouziwana Sikoyo, à présenter Bango devant chef de l'État pour qu'il va prêter serment de coup. Tu vois que ça, c'est vraiment une fourberie. Et aujourd'hui, dites-moi, lui, il est juriste de formation, qu'il explique le peuple congolais. Par quelle manière on doit convoquer les députés et les sénateurs si le bureau n'est pas saisi? Sur base de quelle loi? Même qu'il peut nous donner même... Maître Bamana ya boyangote, mais lobby soki bango bureau ya parlement ba lingi na bangote, ça ne bloque pas le chef de l'État. Non, écoutez Ndeko, je dis ceci et je le répète. Les acteurs principaux ya Milouluana et Ali Bato, Ali Kokamba Biro, pour représenter le peuple. Bangonde ba kopé sa légitimité na banzouzi wana. Bangonde ba kopé sa légitimité ya misala na bango ba kosala. Et qui prend acte? Qui prend acte? C'est président de la République. Ok, donc. Voilà, si vous êtes sur la tête. Yo bengi. Ba président, il y a deux bureaux, bangonde ba acteurs principaux. En même temps, moto akotia mokolo to pale ba ke iyo nandimi bino eza président. Donc eza responsabilité. Eza responsabilité partagée. Non, attends. Pouvoir partager. Exact, attends tout d'abord, je reviens encore. Na lobaki na yo l'égalité et légitimité. OK. L'égalité quoi est en amont, c'est l'ordonnance du chef de l'État. Le chef a déjà signé. D'accord. Un acte qui existe pour l'exécution. Très bien. Mais pour exécuter cet acte-là, l'ordonnance, il y a la procédure. Tout à fait. Qui accompagne cet acte qu'on ne peut jamais violer. Mais dites-moi, quelle loi qui dit que le protocole d'État doit introduire Banzouzi ou Pemena Mokonzamboka pour qu'il va prêter serment? De quelle loi? Et puis, dans le règlement d'ordre intérieur. Oui, dans le règlement d'ordre intérieur et assemblée, Ndeko a expliqué au peuple, bah, il y a non. Dans le règlement d'ordre intérieur et assemblée, bah, lobby boy, il y a Sénat ou soit l'Assemblée nationale, bah, lobby ke, na manifestation ya bongo. Touti ko changé en kakawa le kolan de Kotilombo, a commis président de la République, na tourne à prestation, on va les changer. Mais qu'il explique aussi bah, disposition ou les articles qui accompagnent. Hypothèse naïe ou très soit bien. Cette réflexion. Merci bien. Ndeko Isaac Bakuku, Olandi Ndeko Bamanaï, qui soutient le président de la République, Olandi Ndeko Mbao Papi, Yazali à PPRD, Yazali Moto Yalamuka. En vol, c'est ça, non? Nganaza, ensemble pour la République. Ensemble pour la République. La Mouka est la plateforme la Bisso. Donc, origine en Aza, PDC, il y a Triple Brassard, José Ndou de Bodonguer. Pas de souci. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchiapo, dont Moïse Katumbi Tchiapo est président, il y a parti. Très bien. Au lobby, Nini, na lobby, boy. Au lobby, na au lobby, lobby. Bisso, il y a un tour, il y a un Nazar Oseka. Tant que vous avez un Nazar Oseka, ils ont fait ça, Mawa, puis Nazar Oseka. Voilà, je vous le dis,
biso nenge président Moïse Katumbi alobaka, nous menons une opposition politique républicaine aussi constructive et on dénonce si les choses ne fonctionnent pas, on ne respecte pas le loi de la République. Je trouve quelqu'un, c'est le président de la République qui est un homme poli, il est très poli et un homme très conciliant, mais malheureusement en face de lui, il a des gens qui ne tiennent qu'à leurs propres intérêts, car ils constatent qu'on leur a ravi le beefsteak sur la bouche. Là, vous faites allusion à qui ou à quoi? Je fais allusion au PPRD et au FCC. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est les FCC et le PPRD, ils ne sont pas mieux placés pour nous donner les leçons de respect scrupuleux de la Constitution et le loi de la République. Non, c'est question qu'on y a tâté. On a violé et qu'on colle jusqu'à la fin de votre vie. Alors, les lois de Makambon à la lundi. Je suis désolé. Le chef, c'est mon grand frère. Vous dites c'est la crème. L'inanition, je crois. L'inanition. Vous vous souvenez de ça? L'ONIP, vous vous souvenez de ça? L'article 8 de la loi électorale, qui était à l'initiative, et il y a eu des morts, mais c'était un scientifique, en sachant bien que des opérations distinctes peuvent fonctionner, l'enrôlement et l'identification de la population. Mais ils ont voulu imposer l'article 8 de la loi électorale en 2016. Nazan Koya. Azan Koloba, qui a été élu au suffrage universel? C'est le président de la République. Ce que vous dites là, en dehors du Congrès, l'article 10 là parle de la cérémonie. Et sans oublier que cette constitution, parce que cette constitution a été taillée sur mesure. Et Yangoana, les lots, si c'est commis neuf, comme on s'est focalisé, parce que l'ordonnance est nommée. Déjà, elle a nommé. Pendant que Kota Banda Moussala, Bokamatine Bosala Wana. Mais mon cher ami, Balobi, devant le président de la République, Bache, Sénat, Assemblée nationale et Sénat. Et Balobi, c'est que Sénat, l'Assemblée nationale, et qu'on soit acte. Ce que moi je refuse, ce que moi je comprends. Il n'y a pas la Bible au motin. Non, papa, moi je pense que, basé là, il y a des institutions que j'appelle les institutions de garde-fous. Il y a le Conseil d'État, il y a la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Et lorsque attendez que la personne viole, et quand il viole, vous allez vous référer aux institutions qui vérifient la constitutionnalité, qui vérifient la légalité, et sur le plan judiciaire, je vous dis qu'il y a une cour. Parce que ces institutions, leur rôle, c'est quoi? Si vous violez la Constitution, vous allez à la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui a préparé une requête ou un recours. Le président viole. Moi, je préfère encore que le président pose des actes. Et si ce n'est pas conforme, ce ne sont pas des étiquettes, ces institutions. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis ces institutions. Je les appelle les institutions de garde-fous. Lorsqu'une personne viole une disposition de la Constitution ou il viole une loi qui concerne l'administration, il va aller dans le contentieux administratif, le Conseil d'État. Vous parlez. Mais jusque-là, l'acte n'est pas posé et il n'y a pas de violation. S'il y a violation, qui a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle? Mais quelle cour?
mais la Cour constitutionnelle. Mais c'est ce qui fait. Quand vous dites, la Cour n'est pas encore complète. Non, non, mais maintenant, mais alors, si la Cour n'est pas complète, mais il faut que son. Non, moi je suis désolé, parce que je suis désolé, Vous parlez violé. Alors, vous voulez prendre tout un peuple en otage. Mais quand ils parce que le président de la République a parti avant-hier vendredi à s'enlever, a eu instruction à PSI Premier ministre pour Premier ministre à préparer cérémonie qui doit intervenir dans quelques jours. Alors, Ndenge déjà président a eu les devants, a instruit Premier ministre. Le Premier ministre devra travailler avec le ministre qui a la charge de relations avec le Parlement, avec les protocoles d'État. Les loboy, Nengendeko Papimba ou Alobi A, ce qui, les deux bureaux et assemblées, il y a Parlement, va répondre à la cérémonie. Est-ce que Jijouana Barozoa, légitimité n'a pas absolue ou bien bah, la juge Moro Boyende Toroloba avec une légitimité quelque peu altérée. Non, tout qu'on a bien, papa. Si le président de la République, parce que n'oubliez pas, faut pas distraire Bissot. Ça veut dire que les gens sont incapables de se mettre d'accord. Ils se disent ils sont en coalition. C'est l'incapacité de diriger ensemble. Mais séparez-vous. Ce n'est pas sur le plateau de télévision que nous devons exprimer ça à notre peuple qui souffre et qui attend que leurs conditions de vie changent, mon cher ami. Quand on est ensemble, on fait les choses ensemble, on négocie ensemble, on décide ensemble. Si ce n'est pas d'accord, on se sépare. Vous prenez le peuple en opposition. Le Premier ministre est de voilà, et de voilà, HCC. Voilà, donc, voilà. Ça veut dire que... Ça veut dire que on leur a mis devant leurs responsabilités. Vous attendez à ce que, par exemple, le Premier ministre Aboy, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous venons de frôler une crise grave avec la COVID-19. Les gens doivent apprendre à être sérieux, à considérer l'intérêt général. Je ne comprends pas, une femme et un monsieur, dans un même toit, vous êtes incapable de vous entendre. Et ça fait la honte. Ça fait la honte. Pourquoi on parle de compromis? Vous savez, moi j'ai vécu dans le pays comme la Belgique. Sur le plan communautaire, un pays très compliqué. Mais ils ont exprimé, utilisé les termes consensus. Tout en Belgique se passe avec le consensus. Et est-ce que AFCC cache, ils ne sont pas capables d'arriver à un consensus? Si nous commentons tout ça, c'est parce que c'est notre peuple. Et le peuple vous prend en témoin. Le peuple vous prend en témoin. Ayez la capacité. Ayez la capacité. Je suis désolé. Ayez la capacité et la maturité de savoir que devant vous, il y a un peuple qui souffre. Devant vous, il y a des gens qui meurent dans nos hôpitaux. Devant vous, pour il y a conclure, alors, mais c'est pas pour dire que violation des athées, chef de l'État violé. Moi je dis, jusque-là, il n'a pas encore violé. Parce qu'il n'a pas posé l'acte. Donc il y a possibilité qu'il vienne. On vous attrape, un voleur est attrapé. Quand tu voles, et puis on vous attrape. Alors, si le président de la République a essayé, non, il a essayé de trouver un consensus. Avec il n'a pas trouvé. Mais vous êtes en coalition, mon cher. Il y a un comité de suivi de l'accord FCC cash. Il y a quatre chez vous, il y a quatre parmi les gens que vous avez cités. Il y a mon grand frère qui est là. Alors, quand nous voyons ça. Quel grand frère? Non, mais on passe. Le président de la République, selon yo, a violé le côté. Mais nous avons une question. On répond, L'acteur principal, c'est le président de la République. Très bien. On a dit devant le président et à la fin, celui qui prend acte. Très bien. Au qui va le président du Sénat, va le président et tout ça parce que tout ça, si on commande ça. Merci. Parce qu'il y a un problème avec nos frères. Merci bien, Ndeko Isaac Tokoué. Maître Babanaï, Tozongelio, alors,
avec tout ce qu'il y a comme contradiction, quelles seraient les conséquences? Parlons maintenant des conséquences de toute cette contradiction, si jamais ça persistait. On peut arriver à quelle situation qui peut-être soit qu'on crée blocage Moko Yamakasi, parce que Nazo rappelant moi en passant, en tout cas FCC cache les coalition Moko Yakoswana Butu Moi. Depuis que les bandits ont sali le débat Mingi Awa, Baswana Kabutu Moi, Bazar, s'il vous plaît, frère, monsieur Isaac Solobi. Donc, les lobos, à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre? Quelles seraient les conséquences si jamais les deux camps ne se mettent pas d'accord? Merci beaucoup, Ndeko Jean-Claude. Je pense que Ndenge Ndeko Outei Kolobawa, nous sommes en train de communiquer quelque chose sur la compréhension que nous avons. Nous avions parlé de la situation qui est en train de se dérouler actuellement dans ce pays. Mon co-débatteur d'en face, qui est de PPRD, Papi Moussa, est allé directement sur des attaques personnelles. Bon, il a vanté son côté scientifique, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ici, c'est vraiment regrettable de constater que lorsque l'intelligence commence à travailler au service du mal, cette intelligence est appelée à disparaître. Aujourd'hui, je ne méconnais pas la crème intellectuelle qui se trouve au sein du PPRD et de la famille politique du président Kabila, le FCC. Mais le vrai problème, c'est quoi? Toute cette crème intellectuelle n'a pas la main libre. Ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable. Donc, leurs âmes ont été vendues au diable. S'il vous plaît. Alors, ici, les diables ici, je m'excuse. Non, avant d'évoluer, je m'excuse. Les diables ici, c'est quoi? C'est une manière de faire. Pas une personne. Je ne parle pas d'une personne. Je parle d'une manière de faire un système de gestion de la République qui symbolise tout simplement un système diabolique. Ici, je ne parle pas des individus. Mais un système diabolique vers lequel celui que vous supportez ou vous soutenez est allé coaliser. Vous allez m'excuser. Ça veut dire que nous, en droit, nous disons ceci. Ça veut dire que nous disons ceci. C'est un cas de gens fréquentables. C'est un système qui vaut son pesant d'or. Et celui que vous supportez, le président Tshisekedi, est allé faire coalition avec ces camps à Ebelo. Vous savez, je vais vous dire une chose. En droit, nous disons toujours vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous savez, pendant les 18 ans du régime de triste mémoire, en tout cas, s'il fallait faire face à ces gens-là, il fallait chercher les armes, amener les armes. Et venir avec les armes, ça allait être tuer beaucoup de Congolais et peut-être aussi perdre la bataille. Vous savez, à un certain moment, permettez-moi de vous dire, il faut par moment essayer, dans la politique, il faut essayer de faire la politique des semblants, juste parce qu'on cherche, on veut atteindre un but. Vous voyez, même le blanc que vous voyez, le multinational ici, quand ils veulent vous soutirer, même vos lopins de terre où il y a des minéraux, ils sont prêts à lécher même vos chaussures. Mais une fois qu'ils ont l'air carré minier, c'est fini, ils n'ont qu'à faire de vous. Qui pouvait faire partir Kabila? 18 ans, il avait les services de sécurité entre ses mains. 18 ans, il avait l'appareil judiciaire entre ses mains. Mais Kabila n'avait pas besoin que quelqu'un le fasse partir. Kabila a dit à la fin de son mandat, de son dernier mandat, que je ne me représenterai pas. Nous l'avons vu, il ne s'est pas représenté. Faux, puisqu'en 2016, lorsque son mandat a pris fin, il y a une tentative de la modification de l'article 8 de la loi électorale. Il y a une crise politique. Alors, qui a fait... C'est vous qui avez la police de débat, ne prenez pas fait cause. Je recadre effectivement. Alors, quand mon co-débatteur d'en face, mon ami Papi, je vais l'appeler Moussa, se permet de dire que l'Assemblée nationale et le Sénat donnent quoi au nouveau juge? La légitimité. Je me pose la question, est-ce que mon cher frère, mon ami du PPRD, est-ce qu'il a eu le temps de bien lire cette disposition de la loi
zéro, la loi précitée ici, la loi portant sur donc fonctionnement de la Cour constitutionnelle, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 15 octobre 2013. Oui, cet article ne nous dit pas que c'est les deux chambres du Parlement qui donnent acte. Donc la légitimité ici dont il parle ne vient pas de la présence forcément de ces deux chambres-là. Et on ne nous parle pas, quand vous lisez cette disposition de comme la loi, aussi, oui, je cette m'explique. Loi n'exclut pas les deux chambres là, la présence je vais, de je vais faire lire la, comment, ce que j'ai retenu. Avant ce qui n'est pas interdit, oui, permis. Avant d'entrer en fonction, le membre de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation, virgule. Devant le président de la République, virgule. Premièrement. Oui. Depuis... Deuxièmement, donc, premièrement c'est à la nation. Oui. La nation ici, il comprend le président de la République et les deux chambres. Tout à fait. La nation, le président de la République, l'Assemblée nationale, voilà, le Sénat, voilà, et les conseils supérieurs de la magistrature. Ici, il y a un détail où on dit représenté par son bureau. Okay. Pour les autres, on ne parle même pas de bureau. Bureau ou pas, on parle de l'Assemblée. Papa, lisons des choses. Tofongola Bongo dit que c'était un ancien. Bon, je ne sais pas s'il est toujours de PPRD. Professeur Bongeli. Il m'a donné un cours, j'ai encore oublié, en premier graduat. Il disait, moi, na Fongola Bongo. Ici, on dit uniquement pour le conseil supérieur de la magistrature qui doit être représenté par son bureau. Alors, quand mon co-débatteur d'en face. Et l'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés par quoi ou par qui? Papa. Le député. On ne parle même pas de congrès. Les députés. Ils sont députés. Ils sont députés. On ne parle pas de bureau ici. En tout cas, je le dis sans peur d'être contredit par mon co-débatteur. Est-ce qu'on peut parler de l'Assemblée nationale ou du Sénat sans voir leur bureau? Bien sûr. Oh, mais on a déterminé pour le Conseil supérieur de la magistrature. Papa, la loi ici, l'article 10, le dit clairement. Isaac, calmez-vous, oui, c'est moi qui pose des questions. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, on précise bien, ils sont représentés par le bureau. Oui, là, l'Assemblée, c'est restrictif. Oui, l'Assemblée. Mais pour l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a pas de restrictions. Non, il n'y a pas de restrictions. Voilà. Même les quelques députés, les sénateurs qui peuvent se présenter, c'est l'Assemblée nationale, papa. Si, donc, je l'ai dit sans peur d'être contredit par mon co-débatteur d'en face. Et ici, on ne met pas l'accent sur le bureau. Puisque si on mettait l'accent sur le bureau, je vous dis que Jeannine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba allaient se frotter les mains, ils allaient dire nous les bureaux ne sommes pas là, c'est que cette cérémonie n'a pas sa valeur. Mais je vous dis ici que la loi est claire, c'est la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais l'entièreté de la loi. Mais non, je ne peux pas vous lire les serments. Non. Je ne dis pas les serments. Dis l'article là. Linéa par linéa. Tu vas comprendre que tu es dans. Vous permettez. Oui. Puisque mon confrère. Donne au journaliste. Non. Il va lire. Pour je nous. Pense que. C'est pas grave. Mon ami, c'est pas toi qui dirige le débat, c'est bien moi. Je pense que ça va pas nous faire trop de temps. Oui, pardon, je m'excuse. Si vous allez permettre. Voilà. Nous avons l'article 10. Vous allez m'excuser, je suis venu sans mes lunettes supporter. Ça nous prend du temps. Non. L'article. Vous l'avez demandé, hein? Oui, je vais la lire, c'est mes minutes, ça. Mais donne-lui, peut lire. L'article 10. L'article 10 dit ceci. Avant d'entrer en fonction, le membre de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ça, c'est le premier alinéa. Ça, c'est le premier alinéa qui continue. Il prête serment devant le président de la République, les serments suivants. On dit devant le président de la République, pas devant les deux chambres du Parlement. Allez-y. Et on cite les serments, moi, .. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant
de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. In fine, la loi dit ceci, cette disposition de la loi dit, le président de la République leur en donne acte. Fini. Dis-moi où est l'affaire bon, du bureau là. Monsieur Moussa, voilà, il a lu l'intégralité de l'article. Maintenant, où est le couac? Qui l'explique maintenant? Mon cher, tu sais ce que je fais comme exposé par la contrainte dans ma own exposabilité. Tu es insisté que ma thématique est oui, c'est ce que je veux dire. Mais il y a nos lames de fond. On va développer. Il y a nos lames de fond. D'accord. Azam Alouba. Tu sais, lorsqu'on fait un débat, c'est un débat contradictoire des idées. Bien sûr. Tu as constaté que non, moi j'ai exposé, on n'a pas contradit, on n'a pas fait la contradiction à ma Ongana Lobaki. Je dis ceci, j'en viens. Pour m'expliquer en gros, si calme et posé. Et ce qui m'a fait vraiment frustrer, moi, on a aucun monde dans autres, c'est quand un juriste est comme. Heureusement, je suis devant le juriste. Hein. Qui se met en confusion totale. Mais c'est grave ici. Mais yo quand on explique. Mais quoi l'homme a moi moi quoi présenter moi que non le président il est le bon garant. L'article 69 de la Constitution. Exact. Oui. Le bon garant aussi c'est respecter aussi les quoi le règle le principe de bien tout. Sûr. Et mais point. Je t'ai dit, ici nous parlons tout d'abord de la violation intempestive. Quelle est la disposition de la loi qui le président a violé? C'est là où je voulais en venir. Quelle est la disposition? Brandissez-nous la disposition de la loi que le président a violée. Laisse-moi t'expliquer là où il a violé la Constitution. Il a volé tout d'abord. Il a violé la Constitution tout d'abord sur l'article 158. Qui dit? Qui stipule? Sur la procédure de nomination de quoi? Des juges. Oui. C'est une violation. Et je... Non, mon cher, tu n'es pas journaliste. Laisse-le terminer. Mais ouais, oh. Attends, tu vas revenir, tu vois, la Constitution, il faut prendre le temps de la lire, mon cher. Allez-y, Indigo, tu gagnes le temps. Sois posé, mon cher. Je pèse bien mes mots. S'il vous plaît, toi, tu gagnes le temps, Moussa. Dans l'obiboué, il y a eu violation intempestive depuis que le chef de l'État est. Président de la République, n'a pas ordonné sur son toit au sage. On m'a dit que nous confusions. Dans l'Ongolana, nous, par contradiction, poser une question, il n'a rien répondu sur la question que tu l'as posée. Il a zopatogé, oh Boshab, il a créé ONIP, tout ça. Mais messieurs, Boshab a créé ONIP. Le président Fatih est venu. Qui a changé l'ONIP? L'ONIP que tu as insulté, qui a changé? L'article 9. Il fallait qu'il n'en recadre parce qu'il y a quelqu'un qui va raccadrer ma faudulaise. D'accord. Tout ça, l'actualité parce que toi, on a mon humilité. Mais elle va en s'il vous plaît, s'il vous plaît, Neko Isaac, aujourd'hui, à temps, on a eu. Merci, merci. Il s'agit, Tim, mais quand tu lui donnes le temps de parler, il ne t'est pas expliqué. Attends que je juriste. Terrible, allez-y. Référence Mogoté. Il se donne encore en confusion. La Cour constitutionnelle qui fait objet à débat les lots, toi, l'Iko Samba, les lots, Awanabino, na plateau. Oh, ils ont coexisté, les lots, t'es pas coexisté, pouvoir en haut. Mais il se donne encore les listes que non, ça, il y a une violation. Bonjour, Alissou, ma kabobo, qui est notique à la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle qui est presque inexistante. Oh, tu as un jury, cette information, comment est-ce qu'il est réfléchi? Bon, ça l'a permis de. Je suis en train d'énumérer. Ma violation, il y a ma loi. Tout d'abord, quand j'ai dit l'estampétivité, il y a ma violation, il y a constitution. Tu sais, aujourd'hui, depuis mon Konzambo Kali, na Bokonzinaï, les défauts, c'est quoi? Il s'est fait entourer dans le bateau, Bali, ma terre, pour maîtriser ma kaoroté. Violation à Libosonano. Programme à Chanzou, c'était en violation. Ayako créé agence ou y a lutte contre corruption. Une agence qui n'avait pas les soubassements juridiques. Heureusement, l'honorable Lokondo a sauvé en violation. On a nommé le mandataire en violation. On a nommé le magistrat en violation. Mais aujourd'hui, on a nommé encore les quoi les juges en violation. Parce que yemoko ali juriste awa maître. Yebisanga na mobeko eloba ke non haut conseil à magistrature et copé ça des juges à la fois. Sur la procédure de nomination et sur la procédure des élections. De comment ça peut évoluer. Qu'est-ce que poser une question si pour tout ça, parce que tout le monde a un bleu et belé.
quelles seraient les conséquences? Attends, avec Jean-Pierre pour une minute. Conséquences, c'est Zali. N'est-ce pas lobby à nous? C'est le lobby qui est président à nous, à violer. Non, ce n'est pas nous. La loi nous donne aussi des conséquences. Ça sort de votre camp politique. Voilà. Ce n'est pas nous, c'est la loi. Le bas qui est président à violer qui la nomination. Vous êtes d'accord pour la prestation. Maintenant, vous s'attendrez à Nini. Est-ce que vous allez les présidents des deux chambres doivent-ils répondre à l'invitation pour la prestation des serments des bas préparés ou pas? Je pose la question. Oui, mais justement, mais oui, il faut pas prendre la personne physique de X, Y, Z, mais c'est votre camp politique. Mais exact, je dis que nous, on a bien précisé que non, bisous, tu respecter Kaka Mobeko. Et ça, ni Oya. Mais exact, sois calme tout d'abord, j'explique. Je suis très calme. Oui. Je vous pose la question. Mais je vais répondre. Je vais vous répondre de tes autres. Laisse-moi expliquer. Vas-y. Fais sa réponse. Fais sa réponse aux autres qui ne m'ont pas kili kili. Mais tu n'as surtout pas le bozo de Kabangota. Finalement, tu as contre le perdu. Oh, oui, si tu peux me laisser. Oui, les abonnés. Ah, laisse-moi le temps d'expliquer le peuple qui a besoin de comprendre les choses. On a profité par ailleurs. Ndeko, on a vu que ça l'a passé. Si Ndeko n'a pas juriste de formation, il ne sait pas même expliquer le fonctionnement de l'Assemblée. Quand est-ce qu'on peut convoquer? Quand est-ce qu'on peut révoquer? Aujourd'hui, dans le bango. Moubeko lobi qui était ba parlementaire wana bali na logo te ka mokonza mboka mais bosa lango na parler de la nation bosa lango na oya mais aujourd'hui voilà tout d'abord ce qui fait l'humiliation ya makambo ba to ba koloba ezanga so donc ezanga qu'est-ce qu'on dit à lingala ce qui manque les soubassouma juridique ndeko lobi que no ba député qu'ils me disent par rapport au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée j'ai évoqué. Quand est-ce qu'on peut convoquer un député pour participer dans des assises institutionnelles dans le Parlement? Mais expliquez, peuple et bango, les invitations là doivent être attribuées par qui? Par quelle manière? Que dit le règlement d'ordre intérieur? Et puis les lots n'aïloba qui naïe, je l'avais lancé défi. Après Sanga Kombo, Moussou Swandeor, Babengi Congrès, Soki Batumi, Baleona, Basanga Mani, Bakobengango Nini, il revient au Congrès. Tu vois que c'est une distraction. Mais aujourd'hui, Ndeko, président de la République à Koti, à Vandi, bureau et Zaliwana, protocole d'État. Est-ce que, il faut tout d'abord comprendre. Vous savez, lorsqu'on vient sur le plateau parler de la politique, il faut tout d'abord comprendre les fonctionnements des institutions publiques de l'État et les attributions. Protocole d'État, ce n'est pas un service de la présidence. C'est un service détaché à la présidence. Mais comment se fait-il que un service détaché à la présidence peut avoir sentence dans le pouvoir à Mokonza Mboka pour introduire légitimité Oyo et peut ça quand même Mokonza Mboka pouvoir? De quel mandat Ndeko? Protocole à Zanango. Un protocole qui dépend des ministères de l'affaire étrangère. Mais c'est quoi ça? On est où Ndeko? Et puis protocole où on a devant haute conseil magistrature. Il lui présente devant le haut conseil magistratif Banzouzi. Et puis protocole Wana qui est peuple a présenté l'issue Banzouzi Wana devant peuple. Mais Ndeko, nous sommes où? Et puis chef de l'État après acte. Dis-moi maintenant, chef de l'État Longwenda Konaye na bureau naye. Il arrive à l'Assemblée. Voilà l'occasion de répondre des questions. Conséquences. Avant ça, il y a des conséquences. Chef de l'État vient de chez lui à la maison. A commis une assemblée. Protocole d'État, et qui est juillet, et qui tient à perchoir, bavandissier, et puis protocole à Zui, Maloba, a introduit. Mendeko, nous sommes où? Na cadre nini, cadre parlementaire, protocole qui n'a ni pouvoir de convoquer un député, qui a des immunités, oh, yé, moko avocat, yé, bi. Député, on a, Ali Mokonzi, même, y'a. Il y a Oyo atteint la protocole ou alors. Non, mais le baquet, prestation de serment, là, ils ont risqué et ça l'a maté. Mais la loi est si claire. Protocole a aligné à Ningisamon côté Bandekobatika pour fourber. On l'a bien déjà. Ah, ouais, ton lobby, boy. Lorsqu'il y a l'activité qui doit engager les sénateurs,
qui doit engager les députés, c'est le bureau. Très bien. Merci. Et puis dès aujourd'hui, nous nous disons ceci. Bandeko oh bali ko se débrouiller ko fabriquer mobeko po ba tongango siko ba légiférango. Bon, abolissez tout d'abord l'article qui existe. Tolobi boy, ce qui me konzamboka à comprêter serment, ça ne va pas violer la constitution. Bakendekosala, on a parlé de la nation. Très bien, merci, on a compris. Basala ni na oya. Okay. Pourquoi que Bakende n'a parlé de la nation? Voilà. Et puis chose grave. Concluez. N'a conclu pas soana. Mais ça m'étonne. Kendeko azoboya approche à légitimité. Oh bali ko présenter banzuzi par rapport à l'égalité à Mokonzamboka a signé ordonnance. Merci Ndeko. Je me pose la question, on réfléchit où? Ndeko Bakuku, tozo clôturer dossier on a parce que on a plus beaucoup de temps, il nous reste peut-être à peine 10 minutes. Yebisa biso sikoyo conséquence nini et koki koya pour bandeko bakenga molangambo. Ce qui lelo nenge Ndeko Moussa a expliqué. Après, moi, l'argument est allé plus valable. Alors, ce qui est le bon négligé, présence, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat. Le président de la République a resiégé à côté de qui pour appeler sa batouana légitimité à prendre des actes. Est-ce que vous avez parlé de la nation? Est-ce qu'il fait ça la mana Oya ou bien il fait ça la makakana Kati, il y a. Parler du peuple aux alliés, siège, il y a représentation nationale. Ce qui est salami bomboté, quelles seraient les conséquences? Neko, Isaac, Zala Bena direct pour te perdre de temps dans la digression. Papa, on est après sur réponse, distraction. Tu y en as pas sa réponse. Non, 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 on répond de la place. Non, 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 pas sa réponse. Sauf au dernier article 10 ou là. Devant président, ma mignon sont dans sa figure. Parce que loi est claire et précise. Ce qui va le voir qui, bureau, c'est normal, dans le bureau, dans le secrétariat, il va convoquer. C'est pas au président, à l'Assemblée nationale, sans présence, il y a bureau, sans présence, il y a ce bureau. Le bureau, c'est l'Assemblée nationale. Ce qui lobby, présent est malade. Présente l'Assemblée est malade, il y a Sénat est malade. Mais le bureau est là. Le bureau est deux. Le bureau, mais il n'y a pas de problème. Raison le bas, Assemblée. Balobi, pour le Conseil supérieur de la majorité, Balobi, bureau. Pourquoi bureau est là? Parce que Balobi, Assemblée, bah, tu sais, Nyosso. N'a bureau, n'a pas député Nyosso. Et puis, ils sont tous des figurants. Et ce qu'ils ont. Vous n'avez pas dit, bon, on va monter. Il est le seul. On n'a pas parlé de figurants là. Non, mais parce que bah énumérer ce sont des institutions. Je n'ai pas dit qu'il soit inutile. Mais Bangon ne pas comme ça, les Kamwango. Voilà qu'on sacrifie. S'il vous plaît. Félix, tu sais que dit, les amis devaient être accomplis. Quand ils demandent, analysons bien les choses, quand ils demandent au Premier ministre de prendre des dispositions pour organiser ça, et si le Premier ministre... S'il vous plaît, laisse-moi terminer pour que les gens me comprennent, me suivent. Allez-y. C'est une analyse. Si le Premier ministre organise sous l'instruction du chef de l'État, et que de l'autre côté refuse, on va aller dans une crise entre gouvernement et parlement. C'est une brèche. Alors je dis, ils doivent être sages. Parce que le fait que tu sais qu'il a demandé au Premier ministre, c'est lui... De préparer la cérémonie. Et au ministre en relation avec le parlement. Voilà. Donc ça veut dire que des acteurs du gouvernement, le Premier ministre...
le numéro 1 du gouvernement et le ministre chargé des relations, avec le Parlement. Et si le Parlement refuse, va aboutir, on va déboucher dans une crise entre le gouvernement et le Parlement. Et quelles seraient les conséquences? Une fine conséquence, la dissolution de l'Assemblée nationale. Très bien, merci, voilà. Voilà mon analyse. Merci, on a compris. Voilà. Vous avez bien répondu. Voilà, nous avons bouclé ce sujet. Nous allons rapidement, avec le peu de temps qui nous reste, réagir par rapport à la situation des Minembwe. Je commence par Maître Bamanaï. Vous allez donner votre point de vue sur l'évolution du dossier Minembwe. Le président de la République a demandé, a déclaré une surséance. Le ministre concerné, le ministre d'État, Roubaix Roy, il sera bientôt interpellé. Mais des voix s'élèvent pour dire que, au lieu plutôt que le ministre soit interpellé, il faut plutôt que le président puisse décider, par exemple, de sa suspension en attendant, en termes de, ou en guise de mesures conservatoires. Est-ce que ce dossier devra être abordé de cette manière ou il faut absolument une interpellation? Entre-temps, certaines sources nous renseignent que le bourgmestre installé au niveau de Minembwe continue à faire son travail parce qu'il n'y a aucun décret ou il n'y a aucune résolution qui l'a interdit officiellement à occuper son poste et à faire son travail. Ok, merci beaucoup. Permettez, avant que je ne puisse répondre à cette question... Il nous reste peu de temps. D'accord, que je puisse juste rappeler quelque chose à mon co-débatteur d'en face. Et pour dire que le PPRD et le FCC aujourd'hui, ils sont en train de faire la confusion entre ce qu'on appelle la délégation des signatures et les contre-saints. Puisque ici, ils veulent nous faire voir que le président de la République, en nommant donc ses ordonnances, ont violé la Constitution. Or, ici, nous parlons des contre-saints et non de la délégation des signatures. Alors, le contre-saint ici amène à quoi? Une personne qui prend ses pouvoirs pendant un moment donné, quand il n'est pas là, il les délègue à une autre personne qui fait partie de ces mêmes sphères d'action, disons dans la politique ou bien au sein du gouvernement. C'est comme ça que le contre-saint a été donné au ministre le plus saignant, qui est Gilbert Kankonde. Et Gilbert Kankonde ne pouvait pas aujourd'hui poser des actes sélectifs, puisque vice-premier ministre de l'intérieur, ici en ce moment, à l'absence du premier ministre, il faisait office du premier ministre, donc il ne pouvait pas agir en moitié. Donc s'il fallait signer ou contresigner les actes du président de la République, il pouvait les signer sans problème. Il y a Chokitundu qui avait contresigné Kabila. Le truc était là. Arimon Vasaka, ils le savent très bien. Et quand ils le font, là, les dispositions de la loi ne sont pas violées. C'est bien pour les Alors, rappels. Je voulais que mon co-débatteur d'en face essaye d'intérioriser cette notion qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle la délégation des signatures et le contre-saint. Ça doit être compris. C'est ça le débat. Donc c'est pour dire, quand j'ai dit tout cela, c'est pour répondre à sa préoccupation, pour lui dire en nommant ce juge, l'ordonnance. Il vous reste une minute. D'accord, donc l'ordonnance prise par le président pour nommer les juges n'a violé aucune disposition de la Constitution. Très bien. En ce qui concerne la question de Minembwe, moi je pense que les Congolais, nous sommes habitués à l'agitation. Vous voyez, le président de la République, par exemple, quand il était aux États-Unis, il a parlé de déboulonnement. Les gens croyaient que le président va descendre, il va commencer à arrêter les gens. Non, il va mollo. Je pense que pour condamner quelqu'un, il faut avoir d'abord le temps de l'écouter. Il faut faire des investigations, il faut mener des enquêtes. Concernant le dossier de Minembwe, vous avez vu avec comment beaucoup de sagesse le président est en train de gérer cette question-là. Et les tireurs de ficelles dans cette question, c'est qui? Ce sont eux. PPRD, FCC. Ah bon? Et ils sont là. Quand vous voyez la situation qu'ils ont créée à Minembwe, aucune déclaration. Tous ils sont derrière leur chouchou, qui est Roubaix Roy. Or, qui est Roubaix Roy? Roubaix Roy, je l'ai dit ici, permettez-moi, ça ne m'engage que moi. Le président de la République a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Moi, je rejette ça en bloc. Roubaix Roy, c'est un sujet rwandais. Il est venu ici, il a étudié à l'université de Lubumbashi. Ses collègues nous ont parlé de lui.
Il peut aujourd'hui moi-même m'attaquer après ce débat ici. Je vais me défendre. Roubaix n'est pas un Congolais. Ce sont des sujets rwandais qui étaient venus ici. Il a fouillé. Il y a même ce document qui se trouve chez HCR. Je pense que s'ils n'ont pas fait, s'ils ne sont pas donné le luxe de faire disparaître les traces. Il faut que je vous recadre tout de suite. Oui. Si vous savez qu'il était rwandais, mais le Roubaix, au niveau après Sand City, vous connaissez que ce dossier de Banyamulenge a été traité et on a reconnu à cette population la nationalité congolaise. Voilà pourquoi il a siégé ici comme vice-président de la République. Sinon, il n'aurait pas été élu. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on lui reconnaît la nationalité congolaise. Ah. Mais le Roubaix ne peut pas dire que la terre de mes ancêtres, le Congo n'est pas la terre de ses ancêtres. Puisque une fois en Hollande, en Allemagne, un ami, nous étions assis avec les Allemands. L'ami congolais a osé dire seulement que l'Allemagne, c'est la terre de ses ancêtres, Vaterland. Un Allemand l'a ramassé comme il se doit. Il dit non, tu es Allemand, ça, c'est pas naturalisé. Ce n'est pas la terre de tes ancêtres. Mais une chose est vraie, au jour d'aujourd'hui, remettre en cause sa nationalité, okay, ce serait falsifier l'histoire. Ce sont des citoyens congolais, voilà. Puisque nous savons que à l'époque de Kabila, on a donné la nationalité même aux gens qu'il fallait pas donner. Ce n'est pas non. Là aussi, il faut reconnaître que ça date déjà de l'époque de Mobutu. Donc, il faut pas falsifier l'histoire. Mais toutes les rébellions, les M23 et les ceci, cela, on nous a pas fait rentrer des gens. Je vais vous donner quand on nous a amené ici. Permettez-moi. On nous a amené James Kabarebe ici. Il était ministre de la Défense de chez nous. On a dit qu'il était qui? Congolais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vous donne l'exemple. On nous a amené pas mal une série de gens ici qui se disaient congolais. Mais après, leur nationalité, c'était quoi? Bosco Ntaganda qui faisait la guerre de l'autre côté. C'était dit congolais, mais après, c'est les Rwandais. Vous avez consommé votre temps. Je considère que c'est fini pour vous. Oui. Ndeko Moussa. Vous avez mal au bas pour un dossier minimum. Oui. Ma candidature est en train d'interpeller Roubaix. Bah, monsieur Balobité, bah interpeller. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Regarde, meeting de Nini. Tout le monde malamoko va suspendre. Et puis côté pour Balobi, Bougoumé s'envoie ça à Nimusala. Et là au moins va suspendre. Donc sans effet d'être là, qui chasse l'autre côté. Tiens, la longue on y est surtout avant de répondre la mutuna on a la longue là nous bossoto et autres les kawana na ma bande on a là. Tu sais, tout d'abord, ce que je vous avais interpellé dans les bandes, il faut savoir comment est-ce que les choses fonctionnent par institution à l'État. Et puis, mon Konzamboka, instruction à Pesaki Ilunkamba, c'était dans la communication. Mais or, dans le conseil des ministres, communication à la chef de l'État ne fait pas l'objet d'adoption et exécution. Yébango na fonctionne. Il faut être inscrit dans l'ordre du jour pour qu'elle soit débattue. Papa, je te dis, je pèse bien mes mots. Mais quand un juriste de formation fait la confusion, il y a intérim. N'a pouvoir quasi totalitaire gouvernement, je me suis posé la question, et on est dans quel siècle? Monsieur, je te renvoie à l'article 91 de la Constitution, qui nous donne tout d'abord les modalités à Makambo, à lui qu'on comprendre. Nous parlons des professeurs. Monsieur, c'est ça que c'est là où je. Nous parlons des professeurs. Monsieur, laisse-moi développer. Neko, tu as un minimum. Mais article 91, papa. Bon, au premier minute, là, on traîne à une. Nous avons rappelé. Monsieur, là où moi je te parle, je suis responsable dans des structures publiques de l'État où j'ai la signature. Écoute ce que la loi dit. Lorsque je fais l'intérim. Quelle loi? La loi organisant le fonctionnement sur les institutions publiques de l'État. De quelle date? Je ne suis pas besoin de repérer sur ma date. Mais oui, papa. Le fonctionnement des entités publiques de l'État est bel et bien connu. Et l'administration, je t'apprends
comment est-ce tu ne m'apprends pas, tu parles. Non, parce que tu fais la confusion. Tu n'as rien à m'apprendre. Mais laisse-moi expliquer. Puisque le plus grand confusionniste, laisse-moi expliquer le peuple. Alors, le plus grand confusionniste veut se transformer en donneur de leçons. Quelle leçon tu vas donner? Maître, s'il vous plaît, maître. Mais tu vas laisser l'État ici d'expliquer. L'État est incapable de laisser l'État. J'ai expliqué. Je dis ceci, mon cher. Aujourd'hui, l'évier qui va me chito n'est pas là dans son bureau comme DG. Celui qui fait son intérim n'a pas qualité d'engager de révoquer. Avant qu'il traite les dossiers qui engageaient les DG, ça doit revenir tout d'abord au cabinet du DG. Les DURCAB et les SECAB ont fait la procédure, on amène chez DURCAB. Les DURCAB traitent. Si ça vient maintenant la position et la signature, les DURCAB va transmettre en pas moutoir pour ça l'intérim pour la signature. Mais qu'à ceux qui engagent, contre saint, ce n'est qu'au Congo qu'on peut trouver un ministre délégué contresigne le pouvoir du chef de l'État. Et puis il vient encore un juge de formation sur le plateau, il contredit et il vient encore défendre ça. Ça c'est de la honte. Alobi ango qui est non côté Nabiso parce que Minembwe, Biso Tobanda pour soutenir Robert. Mais messieurs, cesse de rêver. Si chez toi tu n'as pas le temps de suivre les informations, ce n'est pas à moi, je dois me transformer en radio portable pour te donner l'information. J'ai dit ceci, nous ne perdons. Viens notre secrétaire permanent, adjoint, Kambere, et passer au top Congo. Si tu entres même dans les archives de top Congo, jusque quand ma Kamboleka... S'il vous plaît. Tu as Kambere. Ah, il fallait bien préciser. Tu n'es pas sur le plateau, monsieur. Je suis sur le plateau. Moi, tu es à 10e rue. Écoute, allez-y dans top Congo. Ton lobby qui est biso position, la biso PPRD, c'est que le chef de l'État arrête cette histoire à le média pour qu'il va retirer ma décision. Oh, il y a eu ce totique là pour signer en haut de RTOSA qui n'a pouvoir. C'était si clair. Mais elle a raison, le bango que non, Baturel, la Baficelle, Ezalinde, Bandekwa, FCC, mais monsieur Favaronte. Votre ministre FCC. Mais, oh, monsieur, soit posé. De la défense. Soit posé. Oh, monsieur. Oui. Mais tu n'as pas l'information. C'est ce que je te dis. Il ne faut pas finir de se faire informer ici. Faire l'apologie de tout cela. Oui, papa, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça. Tu sais que tu fais honte lorsque tu n'as pas l'information. Laisse-moi t'informer, monsieur. Donc, Daniel Staff aussi était un complice. Ne parlons pas. Mais attention, monsieur. Laisse-moi t'expliquer. La commission parlementaire, qu'à ce qui concerne Makambo ya gestion à sécurité, ils étaient. Nous, ça concluait. Non, tu n'as expliqué. Non, la prospection de la sécurité. Mais, tu comprenais qu'il était, malgré moi et Salamaki, il y a organisation, il y a installation, il y a bourgmestre, il y a minemou. Mais, tu vas voir ça, il y a un bandi Katanga, il y a frontière à Zambie, il y a Tanganyika, il y a Kolwezi, il y a se retrouver, na bisika bakoma ki minemou. Bakomi na minemou, bakouti de Korouber, Azali wana. Bakouti ambassadeur yani nazalaki wana. FCC nda benga ki. Mais vous avez suivi le même le chef de l'État. Alobi a moi qui a pas quitté ma déplacement wana, même y a ambassadeur te. Mais nous sommes dans quel pays? Si il est un ambassadeur qui se déplace place à l'île bureau na yena qui chasse à komi na minemou. Mokonzambo ka yebite puis tu viens défendre ici. Le premier ministre. Non, sois calme. Merci. Non, il embrouille. Le premier ministre. Concluez, s'il vous plaît. Qui a signé l'ordre? S'il vous plaît, maître Bamana, s'il vous plaît. Je dis ceci. Le bourgmestre installé, il nous a lancé. Qui continue le travail. Il a lancé un défi. Ngaï Basi va installer Ngaï. Voilà. Parce qu'il travaille jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais chef de l'État a prononcé, il dit que non, j'arrête. Non, sur le plan des droits, lorsqu'il y a un acte juridique déjà posé, on ne peut pas parler verbalement. Mais aujourd'hui, le même membre de l'FCC qu'on est en train de prôner ici pour jeter le problème chez nous, à ça le point de presse aux journalistes, c'est sous l'instruction du chef de l'État. J'ai toutes les preuves avec moi. Rouvert ou Azarias. Mais maintenant, comment se fait-il qu'adeptes, il y a une des peuvent venir ici sous le plateau pour des douaniers? Très bien, nous allons clôturer. Tout le monde dit, regarde ce que le Père est en train de dire sur ce plateau. Donc ça, c'est vraiment la honte. Maître, s'il vous plaît, Ndeko Isaac, nous en attendons à eux, à moi de la fin, placer mon père pour que ma mine, mais tout ce qu'il y a, nous allons rester. Au moins, il m'a ramassé. Yangwana, peuple, nous avons monna ensemble pour la République, jusqu'à tout le monde. Pour la parole à Minemwe, vous êtes en Baki, décret et soit maquille. Minemwe, vous en avez quitté. Ma tata a glissé en haut.
ce n'est pas au président de la République d'annuler. Il y a un premier ministre qui est là, voilà, qui peut poser un acte contraire. Tout à fait. Il est FCC, PPRD. Il peut poser cet acte-là. Deuxième chose, arrêté interministériel, pris, ministère de centralisation. Ça, c'est grave. Ministère, non, ministère de centralisation. S'il vous plaît. Moussa, vous n'avez plus la parole. Maître et Moussa, laissez Isaac Bakoukou terminer avec son point de la fin. Au moins une distraction. Distraction, mais alors, Moussa, s'il vous plaît. Arrêté interministériel, ministère de la décentralisation, le ministère de l'Intérieur, et les décrets, oui, voilà, il y a ma tata, les 30 mai 2018, le même jour, et le même jour, arrêté interministériel. Alors, nous sommes tous eu responsabilité à travers le député Zangi à introduit une lettre pour interpeller Robert Roy. Franck Diongo, il est en train de travailler pour introduire un recours devant le Conseil d'État. Mais ce qui est lobby que le bourgmestre a joué, ça c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un acte contraire au Eza Kolongolaye que Atika. Alors, au moment où le plateau, soit pour une distraction. Parce que le problème, c'est que le président a annoncé qu'il sur séance. Non, oui, mais c'est-à-dire que sur séance, pour permettre aux gens habilités à poser les actes contraires, notamment le premier ministre, et puis le VPM peut aussi faire cet arrêté-là. Et en même temps, nous pouvons introduire un recours devant le Conseil d'État. Il y a eu des irrégularités. C'est un contentieux administratif et la juridiction compétente est là. Conseil d'État. Donc, affaire Minembwe, et concernant Roubaix-Roi, il a le droit de se défendre. Quelque part, son juge populaire, c'est l'Assemblée nationale. Il devrait aller là-bas, répondre. Et après, on va voir, c'est de l'ordre public, chacun pourra voir par rapport à sa défense s'il y a une poursuite. Mais l'acte qu'il a posé, ça nécessite quand même des poursuites contre lui. Très bien. Voilà. Merci. C'est avec ces propos de Isaac Bakoukou que nous allons marquer un terme à ce débat qui a été un peu plus chaud aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe technique, nous vous remercions vraiment et vous fixons rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Merci à vous également. Merci beaucoup.